cas parce que je sais que nous sommes partis d'une promesse, comme vous le savez. C'était la promesse du chef de l'État aux pêcheurs. Beaucoup ne l'ont pas cru. Hein, parce que j'ai entendu même des gens parler des promesses. Que le chef de l'État et le gouvernement font toujours des promesses, mais ils ne réalisent pas ce qu'ils affirment, ce qu'ils disent. Aujourd'hui, nous avons une preuve éloquente que lorsqu'on promet, on le réalise. Lorsque le chef de l'État promet, il le réalise. L'année passée, il a promis aux pêcheurs d'installer ici un port de pêche que nous appelons en jargon technique le débarcadère intégré. Aujourd'hui, le débarcadère est en train de voir le jour. Et si moi, comme ministre du secteur, je suis arrivé ici, c'est tout simplement voir l'évolution des travaux sur terrain. Et à ma grande satisfaction, je réalise que les travaux évoluent très très bien. Vous imaginez, lorsque nous serons autour de 3, 4, 5, 10 mois, donc ça va être vraiment un grand ouvrage qui va être érigé. Donc, prenez votre mal en patience, comme on dit en fait. Petit à petit, nous allons suivre l'évolution des travaux.